Parce que tu le protèges. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui que tant que Dieu te protège, Satan ne peut rien te faire. Dis-moi, mais amen. Tant que Dieu te protège, Satan peut se promener autour de toi. Il ne peut rien te faire. La Bible déclare que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Il peut y avoir des fléaux dans une ville, dans un pays, dans une nation, dans le monde. Tant que Dieu te protège, ça ne pourra pas t'atteindre. Satan dit, je me suis promené, j'ai fait ce que je voulais, mais je n'ai pas pu toucher Job. Pourquoi? Parce que Dieu protégeait Job. Parce que Dieu te protège. Le sorcier peut tuer qui il veut, sauf toi. Parce que Dieu te protège. Tu peux être dans une voiture, il y a accident de voiture, tu vas sortir vivant. Et puis d'ailleurs, à cause de toi, l'accident qui devrait avoir lieu n'aura plus lieu. À cause de toi, l'avion qui devrait faire cracher ne va plus. Pourquoi? Toi seul, parce que tu es protégé par Dieu. Des fois, vous ne savez pas que vous avez sauvé une nation, un pays. Vous ne savez pas que vous avez sauvé des gens dans un bus. Le bus qui devrait faire accident, qui était dedans, le bus n'a pas pu faire accident, mais tu n'es pas au courant. Donc, Satan dit à Dieu, je me suis promené, j'ai vu Job, mais je ne l'ai pas touché parce que tu le protèges. La protection de Dieu est sur toi, dis amen. Je dis la protection de Dieu est sur toi, dis amen. Je dis ma soeur, la protection de Dieu est sur toi. Marie, la protection de Dieu est sur toi. Tous les frères et sœurs, Hélène, la protection de Dieu est sur toi. Personne ne peut te toucher. Le sorcier n'a qu'à tuer tout le monde dans le quartier, sauf toi, parce que la protection de Dieu est sur toi.